Eh bien, salut à toutes et à tous, mais c'est pas là, c'est j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda Ocarina of Time, et j'ai peur d'un truc. C'est vrai qu'il y a un truc dans le... Ah oui, donc dans le précédent épisode, on avait eu pas mal de... On avait fini le temple de l'eau et on avait eu pas mal de petites cinématiques. Et d'ailleurs, attendez, petite ellipse, sinon ça va pas le faire. Voilà qui est mieux sans pull. Excusez-moi, je meurs de chaud. Donc oui, donc on avait vu pas mal de choses. On avait vu notamment If, nous et Impact, nous étions fait totalement démonter par une chose invisible, par une ombre, a priori. Donc on va voir. Et donc fallait qu'on retourne au village Cocorico. Donc on va y retourner. Donc c'est parti. En tout cas, je trouve vraiment qu'on avance, qu'on a bien avancé et qu'on avance encore bien sur le display. De mémoire, le village Cocorico. De mémoire, on va la refaire. De mémoire, le village Cocorico se trouve ici. Donc voilà, honnêtement, je suis très content. Voilà, on avait laissé Epona ici. Moi, je suis très content. Bon, je pense honnêtement qu'on... On arrive vers la fin du let's play, on est plus la moitié, je pense. Mais bon, si on regarde dans quête, voilà, il nous reste deux places. Je pense qu'il y aura le boss de fin. Peut-être Ganondorf. Je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, il y aura ça. Et je pense que... Je pense que ce sera peut-être fini. Donc ici on devait aller dans le... Shaq nous avait dit d'aller dans le... Dans le cimetière. De mémoire. De mémoire, elle nous avait dit d'aller dans le cimetière. Et je crois savoir ce qu'il faut faire en plus. Je sens que ça m'avait marqué la première fois. Pas si c'est utile de le faire lui. Dans le doute, il est fou. Je crois que c'est ici, voilà. Je le connais par cœur ce chant, ce truc de taille. C'est le seul chant que je connais, par contre. Ok. Bizarre. Tombeau royal. Alors, attends, les questions, objets. Voilà. C'est vrai que j'ai à moitié un gyroscope d'activer, c'est assez... Pourquoi est-ce que... Voilà. Ok. C'est chelou un peu comme endroit. Mais ça, je peux rien en faire.
On en avait déjà eu un. Non! Essaye de jouer le chant du temps. Essaye de jouer le chant du temps. Non. Bon bah tant pis, on reviendra. Donc ok, donc qui sait, apparemment faudrait du feu, je pense. M'approche pas. Ok. Bon, j'ai perdu un peu de vie. Ok, ça passe. Ok, c'est bon, j'ai compris ce qu'il faut faire. La course du soleil s'achève le soir venu. Les nouvelles vies un jour se meurent. Un soleil, une lune, un jour, une nuit. Respecte les morts jadis vivants. C'est beau, n'est-ce pas? Il y a quelque chose d'autre écrit sur cette pierre tombale. C'est la mélodie secrète des frères musiciens. Est tellement classe aussi cette musique. De toute façon, toutes les musiques sont classe. Vous apprenez le chant du soleil. Entonne le chant du soleil et apaise le long tourment des âmes damnées. Quoi? Merde. Ici, genre, je fais... Sans... Wow! C'est pas tranquille. Je teste un truc. Il se passe rien. Ah si! Ok. Bon. Suite ici, on peut partir. Plus rien à faire. Néanmoins, on a encore quelque chose à faire au village Cocorico. Hey, mais attends, toi, t'es une âme! Sors l'ocarina. Tant, 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 tant. Voilà. Ah! Ce monstre, il est sorti du puits du village. Allons examiner. Ok, c'est bon, on a notre objectif. Ensuite, il va falloir que je prenne, que je redevienne enfant. Et que je refasse exactement pareil. Ok. Grrr. Si je retrouve ce môme, je lui écrase la tête.
Il avait 7 ans, il a tout détraqué, mon beau moulin avec son ocarina, si jamais je trouve que ça vaut rien. Quoi? Tu as un ocarina? Nom d'un choupetteur, comme ce homme, il y a 7 ans. Il arrive ici comme une fleur et il a joué une curieuse mélodie. Mon moulin est ensuite devenu complètement dingue. Tan-tan-tan. 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 Vous apprenez les chants des tempêtes. On va redevenir du coup gamin maintenant. Oh. Ok, j'avais quelqu'un qui avait planté. Ah, j'avais l'aperçu cam qui avait planté. J'aime bien toujours avoir l'aperçu cam. Et on obtient les flèches du feu. Ça, c'est cool. Ok, du coup maintenant on va retourner en tant qu'enfant. On va retourner en tant qu'enfant et puis on va refaire exactement la même mélodie qu'on a fait tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Tourne, tourne encore. Tourne, 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 tourne. Tourne. Je sais pas comment on récupère ce quart de cœur là, faudrait regarder. Sens qu'on est déjà passé devant une fois, mais je crois que c'était en tant que gamin. Parce que justement, c'était pas dans le puits. Donc ça veut dire que là, ici, faut qu'on y aille en tant que gamin. Pas grave. Ok, donc là on est dans le puits. Donc là lui qui tu l'as.
que je voulais, mais ça passe. Bonjour. Cherche l'œil de la vérité. Si je joue... On a presque tous les champs. C'est pas le champ du... C'est le champ du... temps. Non, c'est celui-là. Je n'y sais rien. Champ du soleil. Non, ça fait rien. Et là-dedans, je peux rien faire. Du coup, à mon avis, il faut que je redevienne adulte. Ouais, on va redevenir adulte. Et puis on va retourner dans le puits, je pense. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. À tout de suite. Heureux. Regardez-moi ce truc de fourbe. C'est encore pas ce que je voulais faire. Pour me saouler, s'il te plaît. Voilà. Barre-toi. Oh putain. Truc de fourbe. Sans que j'ai pas aimé. C'est quoi, c'est un donjon? Je peux pas utiliser l'arc là. Ouais, on va dépasser le vide en même temps. Thank you.
j'ai pas le temps. C'est le bordel. Ok, maintenant on se fait tout. Ok. Oups. Bon, on n'a plus de bouclier. C'est pas grave. Quoi? J'ai attaqué, mais j'étais là comme au moment en fait. C'est une blague et je vais encore me refaire choper. M'approche pas. Voilà. Ouais, alors tout est activé. Y a un truc là. Une clé. Ok, ça a vraiment l'air d'être un entre guillemets temple. Bon, on a plus de bouclier. Bon, tant pis. Remonte. Ok, tout ça pour ça. Non. Voilà. Navy, tu dis quoi? Ce mur, il parle. Mange. Danger au-dessus. Danger au-dessus. Comment ça, danger au-dessus? Ok. Bon, ça va, une pièce comme ça, une pièce qui me revienne. Concrètement, c'est censé être un piège, mais moi ça me va. Go. Ah. Non, c'est... Oh, pire, prendre une autre.
go! Voilà. Easy. Oh, une flamme bleue. Mais non. C'est quoi, t'as gagné? Crois que c'est celui-là. Meurs. Voilà. De la magie, je m'en fous, je suis full. De la vie, je vais bien. Tu me dis que si tu casses tout, t'as un bonus. Non. Ok, donc on peut aller là. Ok, il y a des choupetteurs. Vrai que si j'ai envie. C'est pas moi. Voilà. On déverrouille plein de trucs qui servent à que dalle. Ok, ça fait pas de dégâts. Va me toucher. Tac, on ouvre. Voir ce que ça donne. Ok, la carte. What? D'accord, j'ai pas tout compris, mais pourquoi pas. C'est pas que... C'était là ou à côté. Non, ça ne s'est pas paru. Ça n'est pas paru.
Donc on peut remonter, on peut continuer notre chemin. Ça fait plaisir en tout cas de retourner en enfant. Non, je sais pas, on dirait. On dirait que c'est vraiment. Il y a encore sûrement quelque chose à voir qu'on peut pas voir. Bonjour. Alors. Ici. Et donc on est de retour là où on était. Et donc là, c'est où? Ok. Du coup, maintenant, on va aller là. C'est d'aller là voir. Ici, il y a un truc. Il y a un truc qui nous faut une clé. Heureusement, une clé pour ça. On a déjà une clé. Les enfoirés! Oh non! Les enfoirés! Eh bien, vous savez quoi? Les gens, on va s'arrêter là. Moi, je vais enchaîner un autre épisode. Voilà, en tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, Alice, salut à tous, c'était Paradox. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de The Legend of Zelda Ocarina of Time. C'était Paradox. Bye tout le monde. Allez, salut. Allez, bye bye.